Bonjour tout le monde. Je me présente, Samuel Pelletier, Antonin Bélanger. Là, il va falloir passer le micro, fait que les transitions risquent d'être un petit peu moins fluides que prévu, mais dans le fond, on est l'équipe Cardius, nous autres, on va vous présenter notre projet de défibrillateur. Donc, on a trouvé une problématique l'année passée. En gros, en 2018, il y a eu 18% des décès qui ont été causés par une arythmie cardiaque. C'est en fait la deuxième cause de décès au Canada en ce moment après le cancer. La moitié des décès-là auraient pu être évitables avec une défibrillation. Ce qu'on trouve un peu aberrant, là, que c'est quand même 25 000 morts qui auraient pu être évitées en 2018. Chaque minute d'action, quand on est en fibrillation, diminue les chances de survie de 10 %. Donc, il faut vraiment agir vite. Après 3 minutes, il peut y avoir des dommages permanents au cerveau. Ce qui veut dire que si l'ambulance tarde à arriver, il pourrait déjà être trop tard. Oui. Donc, on a regardé qu'est-ce qui était actuellement fait, donc pour ensuite élaborer là-dessus et arriver à la solution qu'on va vous présenter plus tard. Donc, actuellement, il y a des défibrillateurs cardiaques externes automatiques qui sont disponibles dans les lieux publics. Toutefois, si je vous demande en ce moment, il est où le défibrillateur cardiaque externe, il n'y a pas grande personne qui pourrait me le dire exactement. Donc, c'est une des lacunes. Ça vient justement de dire que l'accès est difficile et souvent, il n'est pas évident à trouver. Un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a des équipes d'ambulanciers qui vont être présents lors des événements. Toutefois, lorsqu'on est, on est chez soi, à son domicile, il n'y aura pas d'équipe d'ambulanciers disponible. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir d'en avoir un personnel. Et malheureusement, ces défibrillateurs personnels-là vont souvent coûter assez cher et sont aussi assez souvent encombrants et difficiles à utiliser. Donc, si on regarde actuellement qu'est-ce qu'il y avait de disponible, on a vu qu'il y avait des prix aux alentours de 1 600 $, 1 900 $ qui étaient possibles d'acheter actuellement. Donc, on s'est basé un peu sur ce range-là de valeurs pour développer notre projet. Donc, pour Cardius, qu'est-ce qu'on a visé? C'était qu'on voulait faire un défibrillateur portatif qui était à la fois abordable et complètement automatique, pour que les personnes qui ont des faiblesses cardiaques puissent en acheter un et se sentir en sécurité, même chez soi, sans nécessairement vider leur portefeuille. Donc, les autres fonctionnalités qu'on voulait avoir aussi, c'était des fonctionnalités de base, donc un avertisseur sonore de décharge pour avertir quand une décharge va se faire donner, et un enregistrement de données pour, à fin d'analyse plus tard, par exemple après l'utilisation, et pour avoir une trace de ce qui a été utilisé. Alors, les pistes d'optimisation Cardius, c'est qu'est-ce qu'on a cherché vraiment, qu'est-ce qu'on voulait itérer pour arriver à une meilleure solution. Donc, comme on peut voir, le premier point, c'était d'enlever les fonctionnalités qui étaient superflues. Donc, on parle par exemple des écrans qui affichaient des données, par exemple, ou différents modes qu'on ne trouvait pas extrêmement nécessaires pour notre public cible. Utiliser un minimum de composants pour avoir des certifications médicales et pour qu'ils puissent être disponibles à la vente libre. Réduire la taille des circuits électriques au maximum en utilisant nos connaissances en génie électrique. Optimiser la taille des plus gros composants. Donc, les plus gros composants dans le système, ça va être les condensateurs. Donc, on voulait essayer de trouver une façon de réduire la taille afin d'économiser encore plus d'espace et rendre certaines composantes uniques, par exemple les batteries. Au lieu de les avoir rechargeables, de les rendre uniques, ça pourrait nous faire sauver de l'argent, puisque, en fait, un défibrillateur, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser à tous les jours. En tout cas, on espère. Okay. Excusez-moi. Donc, on va faire un petit peu de notion d'anatomie puis d'électronique pour comprendre qu'est-ce que notre prototype est. En fait, qu'est-ce qu'une fibrillation? Le cœur a plusieurs cellules musculaires sur lui qui pompent le sang. Il y a une certaine séquence pour faire pomper le sang, dans le fond. Sur l'image qu'on voit, ABCD, on voit que le cœur pompe du bas vers le haut pour vraiment sortir le sang efficacement. Quand on est en fibrillation, chaque cellule agit indépendamment, fait un peu à sa tête. Donc, le sang n'est pas pompé ou pompé vraiment très peu efficacement. Pour régler ce problème-là, on fait une défibrillation.
Qu'est-ce qu'une défibrillation? C'est tout simplement envoyer un énorme courant dans le cœur juste pour arrêter toutes les cellules puis que le cœur recommence à battre par lui-même. Une bonne analogie pour bien comprendre ça, c'est comme une classe bruyante où ce qu'un professeur essaie d'enseigner. Il ne sera pas capable d'enseigner parce que tous les élèves parlent un avec l'autre, personne n'écoute. Si le directeur passe par là et crée un gros silence pour que ta classe se taise, la classe se tait, et là, le prof pourra commencer ses explications pour avoir son enseignement plus efficace. Donc, qu'est-ce qu'un défibrillateur après ça? C'est justement l'appareil qui fait la défibrillation. Mesure l'état du cœur et envoie la décharge électrique si nécessaire. Je vais vous attirer votre attention sur quatre parties importantes. Donc, on a ici le circuit de charge, on a un condensateur, on a cette partie-là qui s'appelle le pont en H et un système d'acquisition aussi. Je vais vous y aller partie par partie. Donc, on a le condensateur qui serait la pièce la plus importante du circuit. En gros, le cœur, on peut l'imaginer comme un feu qu'on veut éteindre. Si on a juste un petit tuyau qui va vraiment goutte à goutte, on ne sera jamais capable d'éteindre notre feu. Mais si, par exemple, on a un seau qu'on a préalablement rempli avec ce petit débit, on va pouvoir éteindre le feu en jetant le seau dessus. Le condensateur fait un peu ce job-là d'accumuler des charges sur un très long temps et le décharger très rapidement dans le cœur. Ensuite, pour charger ce condensateur-là, une défibrillation, ça se fait aux alentours de 2000 volts, ce qui est énorme, ce qui n'est pas disponible au niveau batterie ou même dans les prises murales. Donc, pour ça, on peut utiliser un transformateur pour augmenter cette tension-là à la tension désirée pour charger le condensateur. Finalement, pour ma part, le pont H qu'on appelle sert à générer une onde biphasée. Ça a été prouvé dans les études que c'est la manière la plus efficace de défibriller, dans le fond. Donc, pendant la moitié de la défibrillation, le courant va aller dans un côté et dans l'autre, il va passer dans l'autre sens, comme on peut voir avec les flèches bleues et rouges sur le dessin à côté ici. Donc, c'est ça, je vais passer la parole à Anthony. Oui. Alors, afin de donner la décharge électrique au bon moment, c'est nécessaire de savoir quand est-ce que le cœur est en fibrillation. Donc, pour faire ça, c'est relativement simple. En fait, c'est que le cœur, quand il va pomper du sang, il va émettre certains signaux électriques qu'on peut ensuite capter avec des appareils, donc par exemple des électrodes, et ensuite analyser ces signaux-là pour décider si oui ou non un cœur va être en fibrillation. Comment on peut les détecter par la suite de façon automatique? Parce que c'est sûr, notre objectif, que ce soit une facile utilisation, donc on ne veut pas qu'il y ait une personne externe qui va dicter quand le défibrillateur va devoir donner la charge. Donc, une façon de le faire, c'est qu'on va prendre les données précédemment recueillies avec les signaux électriques du cœur, puis il y a certaines zones dans ces données-là qui vont avoir le plus d'informations, qu'on va prendre, extraire l'information, et ensuite le produire d'un algorithme qui va détecter si ou non une fibrillation est nécessaire. Comment Cardius l'a implémenté? C'est d'une façon relativement simple, qui permet d'avoir un bon niveau de détection qui est égal à peu près à ce qui est disponible sur le marché actuellement. On parle d'environ 90%. Et l'algorithme peut être roulé avec une puissance de calcul relativement faible, ce qui permet d'avoir des pièces plus petites et moins chères en général. Donc, pour faire un résumé des prérequis, pour avoir une défibrillation, il faut vérifier quelques aspects. Le premier aspect à vérifier, c'est que le cœur est effectivement en fibrillation et qu'il a besoin d'une décharge. Il faut aussi s'assurer que la décharge soit prête, donc que le condensateur soit chargé au maximum. On ne veut pas donner une moitié de décharge, ça risquerait simplement de blesser le patient ou de ne rien faire. On veut que les pads soient bien positionnés sur le patient et on veut que personne ne soit en contact avec le patient lorsque la décharge est donnée. Parce que si on a une personne en contact, ça risque de causer plus de danger et de mal que d'autres choses, car la décharge électrique aurait des chances de parcourir d'autres chemins que celui qu'on veut lui faire parcourir avec les électrodes. Donc, pour simplifier un défibrillateur, les défibrillateurs qui étaient sur le marché, on a décidé de prendre les caractéristiques des défibrillateurs actuels et de regarder qu'est-ce qui était vraiment nécessaire et qu'est-ce qui n'était pas, selon nous, pour le public cible. Par exemple, si on prend un défibrillateur qui est disponible sur le site de la Croix-Rouge, alors le ZOL, on peut voir qu'il y a un mode pour enfants. Nous, on n'a pas besoin de ce mode-là, donc ça va nous simplifier le travail de conception et ça va réduire les coûts. Il y a aussi un bouton pour donner des décharges de façon manuelle. Nous, on voulait qu'il soit complètement automatique, donc c'est sûr que c'était hors de l'équation d'avoir une décharge manuelle.
et il y avait un écran pour voir certaines données. Nous, on voulait que ce soit le plus simple possible, donc on a décidé d'enlever l'écran. Donc, on a pu, en faisant ce travail-là sur d'autres aspects des défibrillateurs qui étaient commercialement disponibles, on a pu réduire au maximum le nombre de fonctionnalités. Bon, donc ici, on a ce qu'on a réalisé, dans le fond, on a à gauche ici, sur les deux photos, ce qu'il y a présentement dans le défibrillateur ici, qui est un défibrillateur plutôt professionnel. Puis à droite, c'est vraiment ce que nous, on a fait. Donc, on a ici le board qu'on appelle haute tension. Dans le fond, c'est ce board-là là-dessus que la défibrillation est faite, donc le condensateur est chargé, qu'il y a le pont à H, etc. Donc, on a quand même réussi à faire un bon progrès là-dessus. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le progrès qu'on a fait niveau board basse tension, donc ce que l'algorithme se passe ou ce que le contrôle des relais est fait. Donc, on a vraiment là, réussi à réduire de beaucoup quand même ce board-là. Donc, c'est ça. Puis, si on peut voir le niveau total du boîtier, là, on a vraiment sauvé beaucoup d'espace en enlevant écran et autres systèmes superflus par rapport à l'autre. Justement, en parlant de la taille finale du prototype, on a réussi à avoir une taille qui était relativement plus petite que la moyenne. Donc, on a un exemple à l'échelle des autres condensateurs qui seraient disponibles sur le site de la Croix-Rouge, comparativement au nôtre. On peut voir qu'il est il est plus petit. Donc, on a réussi à avoir ça justement en enlevant les pièces superflues et d'avoir des pièces de plus petite taille. Toutefois, on va voir un peu plus loin qu'il serait encore possible de le rendre encore plus petit, puisque c'est ça, c'est une V1, donc c'est un prototype. Attends un petit peu, Sam. Donc, les fonctionnalités qu'on a intégrées, donc l'algorithme est fonctionnel, le circuit de décharge-décharge fonctionne, on a un bon niveau de détection, la taille est compétitive, et le coût, comme on peut le voir à la prochaine slide, va être relativement plus faible de ce qu'on a sur le marché. Donc, l'estimation du coût qu'on a mis ici, on a un peu surestimé le coût, là. On a inclus dans ce coût-là les certifications médicales et les normes, ainsi que le coût des pièces qu'on a utilisées et le coût, par exemple, de faire un boîtier. On est arrivé à peu près à un prix de 975 $ pour une production de 2000 pièces. C'est sûr que ce prix-là, en réitérant plusieurs fois, en faisant d'autres versions, on serait capable d'atteindre jusqu'à environ 200 $ de moins facilement. Mais on peut voir que même avec le prix du prototype qu'on a actuellement, c'est significativement moins cher que la plupart des défibrillateurs qui sont disponibles en achat au Canada. Merci. Je vais conclure la présentation. En parlant du futur de Cardius, qu'est-ce qui resterait à faire en ce moment? Premièrement, le condensateur, nous autres, ça a été une commandite dans le fond, donc on n'a pas eu le choix sur la taille et sur la forme. La forme pourrait définitivement être optimisée, par exemple la mettre rectangulaire pour optimiser la taille du boîtier. Sinon, on pourrait encore densifier les composantes, enlever certaines composantes. Il y a beaucoup de composantes en ce moment, c'est des composantes de test, donc des points de test, des switches pour activer certaines parties et pas d'autres. Donc tout ça, ça pourrait être enlevé sur un prototype qu'on sait fonctionnel. Puis optimiser le placement, en ce moment, il y a beaucoup des pièces qui sont sur le dessus des PCB. Il pourrait en avoir beaucoup plus sur le dessous, c'est juste qu'avec les technologies qu'on avait en ce moment, il a fallu le faire comme ça. Et finalement, on pourrait utiliser aussi l'intelligence artificielle pour mieux détecter quand on est en fibrillation. Là. Il y a des réseaux neuraux qui ont prouvé vraiment plus efficaces que les algorithmes qu'on a en ce moment. Puis c'est ça. Puis éventuellement faire la certification médicale. Donc merci, je présente le reste de mon équipe, ils sont tous là-bas. Donc, si on a des questions, ce serait le temps.